Ok, buonasera a tutti. Stiamo registrando la sessione. Io do la parola a Marina Marino che vi introdurrà questo webinar che sarà in lingua francese e appunto cedo la parola e chiudo il microfono. Buon Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que avec deux personnes qui gèrent, c'est un peu plus compliqué. Donc, je veux savoir. Ok, très bien, benissimo, Simona. Alors, pardon, mi scuso con Simona, ma mi sembrava che ci fosse un problema avere due persone nello stesso momento host. Mi pare che invece tutto funzioni bene. Alors, d'abord, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Je dis bonjour à Daniela Cecchi que j'ai vue et qui est là. Daniela Cecchi me dit qu'elle n'entend pas. Daniela, tu m'entends? Daniela, tu m'entends? Le volume est au maximum. Attendez. Là, vous m'entendez maintenant? Ok. Alors, c'était le problème dont je parlais tout à l'heure. Quand il y a deux personnes qui ont le rôle de host, c'est difficile. Alors, Simona, je t'ai enlevé cette priorité. Et puis, on se la redonne réciproquement. Oui. Bon, alors, je vais partager l'écran. Et je vais introduire l'argument d'aujourd'hui qui concerne la documentation. Pourquoi? Parce que vous allez partir et donc il est très important de partager certaines choses. Alors, je ne vois pas trop maintenant le chat parce que tout mon écran est occupé par le diaporama. Vous m'entendez, je crois? Je ne vois pas de message. OK. Alors, pourquoi documenter? Il y a un message. Je ne peux pas trop regarder le chat. Ah, OK, vous dites qu'on attend bien. OK. Alors, pourquoi documenter? Parce que la documentation est importante. Elle est importante dans le cas spécifique de notre projet. Parce que vous allez partir et que notre projet prévoit la documentation. Mais je trouve que dans un contexte de projet et notamment de projet et tuning, la documentation est extrêmement importante. Et il faudra s'occuper aujourd'hui, un peu rapidement, mais quand même, des caractéristiques d'une bonne documentation. Même si je sais que tout le monde documente, qu'on est tous habitués, on va en parler un peu plus. On va aussi approfondir un peu les caractéristiques d'une bonne documentation, les formats et les techniques et les stratégies de documentation. Alors, qu'est-ce que c'est que la documentation? On va suivre un plan. Et pourquoi documenter si ça nous prend du temps? Qui documente? Qu'est-ce qu'un document dans le spécifique de notre contexte? Comment mener à bien la documentation? Quel type d'information faut-il réunir et comment? Comment organiser l'information et comment organiser les matériaux? La réflexion sur la documentation a une origine aussi l'idée que normalement on a que documenter, on le fait après. La documentation après, ça devient compliqué, ça devient chronophage et puis on oublie. Mais tout le monde documente. La documentation prend énormément de temps,
ça devient dispersif et ça devient, comment dire, des fois même inutile. La documentation s'appuie sur une vraie observation, sur une certaine rationalité dans l'enregistrement, l'interprétation, la diffusion, au moyen de différents supports, des processus, des produits, de l'enseignement et de l'apprentissage. Pourquoi je dis de l'enseignement? Parce que tout ce qu'on apprendra ou on mettra en commun ou on verra ce soir et avec ce projet Erasmus, nous pourrons et nous devrons l'utiliser après avec nos élèves, avec nos collègues et nous-mêmes pour continuer. Donc, la documentation, les Français sont très habitués à la documentation parce qu'il y a des enseignants documentalistes. Ils ont une préparation supplémentaire sur ça, alors que nous, on devient chercheurs, on explore, on tâtonne un peu, et donc il faudrait de quelque sorte devenir plus rationnel et plus méthodique. La documentation ne peut pas être faite à la fin. Vous le savez très bien, mieux que moi, la documentation est systématique. Et on devrait documenter les processus des événements importants pour notre projet. Alors, cette idée de documentation, documenter les éléments importants de notre projet, devient important et nécessaire parce que l'évaluation du projet même devra être faite sur la base de notre propre documentation. Et alors, que documenter? Quels aspects de l'expérience nous voulons faire ressortir, ça signifie que notre expérience devra être valorisée et ça permettra de d'avoir des effets de formation sur tous, sur la croissance professionnelle des enseignants, sur nos élèves et notamment sur nos établissements. Alors, nous devons, avant de partir, vous, hein, vous devez, avant de partir, vous devez déjà prévoir qu'il faudra garder des traces, des pensées, des actions, des aspects importants et particuliers de la mobilité, mais pas que de la mobilité, et répondre à certaines questions. À la fin et avant, en tant que projet, qu'est-ce que je devrais apprendre? Et après, on se demandera qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce que je ferai encore et que ferai-je différemment? Que voudrais-je partager avec mes collègues et pourquoi? Voilà pourquoi une documentation devient systématique. L'évaluation et le pilotage même, parce que au cours de ces 2 années, on pourra ajuster, on pourra modifier certains détails et adapter sur la base de ce que nous avons découvert et fait tous ensemble, le système de formation. Normalement, on documente, on l'a déjà dit, mais beaucoup de projets sont documentés de manière un peu trop large. C'est-à-dire, on documente tout, et donc de manière pas assez ciblée. C'est pourquoi nous avons besoin de notre espace et tuning, dans ce cas spécifique, sinon ça serait un autre endroit, numérique, pour que tous les documents soient disponibles à tout moment et par tous. Et ça permettra de revoir chacun et même tous ensemble les documents pour voir s'ils sont effectivement utiles, s'ils sont effectivement indispensables pour transférer l'expérience ou même s'ils sont adaptés, s'ils doivent être modifiés. Nous avons l'avantage dans notre e-space où j'ai vu que vous avez créé des dossiers individuels,
nous avons l'avantage de pouvoir accéder à tout moment de n'importe quel dispositif aux documents. Et les documents qui seront nécessaires pourront être imprimés, donc ils seront disponibles pour d'autres. En synthèse, les documents devront, on verra comment, devenir bien compréhensibles à tous. N'oublions pas qu'à un bon moment du projet, les pages de notre TwinSpace deviendront des pages publiques. Pour le moment, nous pouvons voir les pages du TwinSpace, et c'est nous, donc les membres du TwinSpace peuvent voir, les autres sur Internet, non. Mais on pourra choisir quelle page rendre publique, quel billet de blog nous pourrons rendre visible à l'extérieur, et donc on pourra sélectionner. Donc, il faudra que tout soit prévu pour que ce soit rationnel et bien compréhensible, donc bien structuré. Et les documents devront être clairs, donc bien bâtis, efficaces et facilement identifiables. Donc, dans vos dossiers, on verra, parce que Francesca et Daniela ont prévu quelque chose, un document dont on parlera à la fin. Et chacun de vous aura dans son dossier son document où l'information devra être bien identifiable. Donc, par rapport au contenu, par rapport à l'auteur, bien sûr, et par rapport au but. Les documents devront être datés, évidemment, datés, et on a déjà dit facilement accessibles. Pourquoi? Parce que la documentation dans l'optique de notre projet sert aux autres, servira aux autres. D'autres qui ne font pas partie de notre groupe et plus tard, peut-être à la fin du projet, peut-être avant, devront ou voudront ou nous jugerons que ce sera l'occasion pour qu'ils puissent le faire, ils pourront comprendre la problématique à laquelle nous avons cherché à répondre. Et dans le cas de vos mobilités, en ce qui concerne vos mobilités, ce que vous avez essayé, quels sont les problèmes ou les questions pertinentes que vous avez affrontées et que vous vous êtes posées. Apparemment, c'est très chronophage. En réalité, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure de notre même travail et qui donc nous permettra d'arriver à la fin bien calme, bien tranquille, avec un travail très bien fait et moins chaotique, moins dispersif à la fin. Il faut toujours se demander. Si quelqu'un regarde ma documentation, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il apprend, quel message j'arrive à transmettre. En effet, la documentation doit être inclusive, c'est-à-dire que on doit déjà avoir dans l'esprit l'objectif. Les autres vont interagir de quelque sorte. Avec ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, c'est un jeu collectif évidemment, avec notre parcours. Et donc, il sera possible à la fin, par exemple, de créer un site internet ou un blog dans lequel les autres, hein, après la dissémination, les autres pourront nous poser des questions, demander des documents, ou bien. Sur le territoire, quelqu'un pourra demander à quelqu'un de vous, ça dépend de la ville où vous vivez, est-ce que tu peux venir dans mon lycée ou dans mon école ou dans mon établissement et par exemple, m'expliquer, me dire comment vous avez abordé tel ou tel problème pédagogique.
Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est destiné à la formation sur l'histoire et sur le français, parce que c'est une retombée, c'est une formation bien plus large, celle à laquelle les enseignants Erasmus se prêtent. Et la formation Erasmus va bien au-delà de l'objectif originaire, parce que à la fin, comme dans une sorte d'océan de messages de formation, d'autres qui veulent mettre à jour leurs compétences pédagogiques pourront piller, pourront profiter de ce que nous avons fait et nous avons appris. Bien documenté, ça signifie aussi recevoir un bénéfice immédiat par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que si on apprend à fonctionner avec, disons, selon cette stratégie, cette méthode, en utilisant cette méthode rationnelle, on aura une clarification de notre propre pensée. On s'habitue à placer, on s'habitue même comment dire, à choisir, à ne pas tout prendre, à sélectionner. En effet, rédiger une documentation nous incite à filtrer. Et puisqu'on doit écrire pour d'autres, hein, qui ne connaissent pas, les autres ne sont pas dans notre projet, même si, comme je l'avais déjà dit au début, ce sera dans le TuySpace, l'information claire que nous devons produire nous oblige à clarifier nos idées. Et grâce à ce processus, de nouvelles interrogations, de nouvelles solutions que nous n'aurions jamais considérées avant naissent et nous viennent à l'esprit. En créant donc une documentation complète de vos mobilités, ce sera plus simple après. Qui documente, qui va documenter? Évidemment, chacun de vous individuellement. Et pour résumer, ce qu'il faut faire, définir le type de compte rendu, s'efforcer d'avoir une représentation unifiée des documents, un modèle de mise en page clair. Je vous conseille très vivement, si vous faites des brouillons, date de la dernière modification de votre document, version du document, parce que sinon ça devient difficile à la fin. Les règles, disons, pour rédiger le compte rendu de la mobilité, le carnet de bord, on les aura à la fin. Il y a un document qui est prévu, mais elles sont tout simplement identifier, réunir, actualiser, archiver et détruire. Détruire, j'insiste sur ce verbe, sur cette idée, parce que on a sur le moment, on a l'impression que tout est important, tout sert, tout est utile, alors que non, normalement, ce n'est pas vrai, parce que en fonction de la version rationnelle de la documentation, vous serez obligé de détruire. Alors, dans le dossier que vous avez dans le TuySpace, vous pourrez tout mettre au début. Des photos, des images. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre beaucoup de photos, de documents, photos de documents, screenshots, ce que vous pensez sur le moment. Qui pourra être utile. Mais pour la rédaction finale, vous verrez que ce que vous avez archivé n'est pas totalement utile et que vous serez obligé de détruire. La documentation, donc, est faite pour soi. On l'a fait pour soi, mais elle doit être écrite de manière très simple, disons très rationnelle,
pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit et qui devra découvrir votre projet, votre mobilité, votre parcours par ce que vous dites. Et que faut-il mettre? Alors, ma réponse au personnel, c'est tout ce que vous avez découvert, toutes les idées que vous avez eues, celles que vous avez expérimentées. Donc, je parle en ce moment de ce que vous allez mettre dans vos archives, hein. Pourquoi certains n'ont pas été conservés, vous le direz à la fin, et pourquoi les autres, oui. Donc, les succès, les échecs, les erreurs surtout. Voilà cet aspect, c'est un aspect intéressant et selon moi très important. Normalement, quand on fait une documentation d'un projet, même au lycée, même non projet, on met tout ce qui s'est bien passé. Nous avons fait ça, puis ça, puis ça. On n'a pas l'habitude de raconter nos erreurs. Mais si nous mettons dans l'optique de quelqu'un qui apprendra, qui verra dans nos projets une démarche, un processus, les erreurs deviennent plus importantes que le succès. Un succès, normalement, a derrière lui beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs. C'est important pour nous, pour comprendre comment nous sommes arrivés à un certain résultat, mais ce sera important et très important pour la dissémination, pour que les autres puissent apprendre et pour l'évaluation de de notre démarche. La clarté, l'efficacité, afin que tout soit explicite. C'est important de dire, nous avons, par exemple, nous avons fait cours d'histoire, mais comment le cours était organisé? Une photo de, si en France vous trouvez un TBI, ils utilisent quoi? Quel est le manuel? Photo, titre, page, et en donnant un titre à votre dossier pour tel problème, pour tel sujet pertinent. Attention, je le répète, pas trop compliqué. Nous, les enseignants, nous avons tous la tendance à être très, comment, littéraires. Attention, on va écrire une documentation et pas, il ne s'agit pas d'un essai littéraire. Et il ne faut pas que les informations soient perdues, imaginez qui va lire, dans un flot inutile. Et nous arrivons là maintenant à quelque chose qui est très important, ajouter un support visuel. On va parler, aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de choses à dire, on va parler de la documentation sous forme de storytelling multimédia, parce que la documentation visuelle amène à une plus-value parce que en accompagnant le récit de la documentation par une légende, par un commentaire, par exemple, de vive voix, vos photos, vos documents authentiques, en faisant tout cela, on va faire un peu ce qu'on fait nous aussi en tant que prof et ZABAC. Quand nous transformons un cours traditionnel en un cours innovant, un cours motivant pour nos élèves, nous allons donc motiver d'autres, des collègues ou ceux qui vont lire notre compte rendu, à suivre la même démarche. Mais attention aussi pour que l'information visuelle ne prenne pas trop de place, parce que sinon, ça va masquer le message, le vrai message qui est souvent le plus important, le contenu. Avant que vous ne rentriez, depuis vos mobilités, vous aurez dans le Twispace, chacun aura une
page de documentation. Et quelqu'un l'a déjà fait, se créer un dossier pour le document, se créer des sous-répertoires pour l'organisation de documents, par exemple des sous-répertoires pour les screenshots, pour les notes de cours, etc. Et la logique pour chacun de vous sera différenciée parce que chacun a sa propre logique, mais tout devra être créé selon la même grande logique. Alors, nom, prénom, type de mobilité, les fichiers doivent être tous correctement identifiés. Il faudra aussi choisir de manière judicieuse le média et on va parler de Adobe Spark. Adobe Spark permettra, j'ai mis, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne peux pas changer de page en ce moment parce que je risque de mal voir mon diaporama. Mais Adobe Spark, vous avez les tutoriels dans la page de la formation d'aujourd'hui, permettra une formation de type multimédia. On va créer donc, chacun créera un storytelling individuel sur, de documentation sur la base de un outil. Je vous conseille Adobe Spark parce que c'est vraiment très simple. Vous avez le tutoriel. Vous avez un exemple ici. Je ne le montre pas maintenant. On va le faire tout de suite après. Et la narration visuelle, comme on l'a déjà dit, permettra aussi de prendre des notes pendant, par exemple, une visite. Vous aurez tous vos smartphones sur vous. Donc, ce sera très simple de enregistrer un petit message de vos voix pendant une visite, pendant un cours, et même interviewer un collègue d'histoire, un collègue de français, un collègue de littérature, un formateur français ou italien, et ou enregistrer une discussion que vous faites entre vous. C'est plus important que d'écrire, comme on l'a dit avant. Alors aujourd'hui, on a fait une réunion avec les profs de français du lycée tel, etc. Et vous avez donc le choix entre Adobe Spark Post, des cartes, des images, des posters. Ce sera très simple pour qui a moins de quelques difficultés en plus avec le multimédia. Mais sinon, Adobe Spark Video, vous avez le lien ici, permet vraiment une narration visuelle simple mais efficace. Accessible depuis tablette, smartphone et depuis le web. Sinon, vous avez le lien ici à TeenLike, qui est un outil, c'est un outil en ligne qui permet de créer des images. On va voir, hein, après je vous montre ça si on a le temps, qui permet de taguer, de créer des images interactives et de partager une image. Alors, pour finir, le journal, ce sera structuré, complet. Il devra retenir les idées essentielles, sans ajout, sans omission, mais aussi sans interprétation, pas de jugement personnel. Qui lira la documentation de notre projet devra, si c'est une guide ou si c'est un évaluateur ou si c'est un collègue, c'est qui lit, qui décide et qui donne éventuellement une interprétation, qui ajoute du sentiment sur ce que nous avons trouvé écrit. On doit supprimer ce qui n'est pas important, mais attention, ce qui est important, il faut le valoriser. Et surtout, on ne mettra pas d'informations qui n'ont pas été données, par exemple par rapport à la méthode que vous avez observée ou à d'autres informations.
On ne pourra donc pas faire sa documentation après beaucoup de temps. Et donc, il est indispensable de prévoir que dans quelques petits temps après la rentrée, on vous demandera la documentation. Parce que sinon, on oublie, parce que le projet a ses rythmes. Et Erasmus prévoit une documentation de processus. Et donc, la documentation doit être systématique, complète, structurée, claire, afin que ce soit simple. Les tâches, alors je reprends, les tâches sont conception de la documentation, création de la documentation, donc du journal de bord, du carnet de bord, la création d'un storyboard, la création de la narration multimédia finale et choisir les outils, matériaux, directives pour que tout soit diffusé, soit dans la communauté des tunings, parce que nous faisons un travail sur le tuning, et soit sur Erasmus. J'arrête le partage d'écran parce que je voudrais vous donner la parole un instant avant de vous montrer Adobe Spark. Là, vous m'entendez et moi, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, si tout est clair, même dans le chat, comme vous voulez, mais c'est dommage d'avoir parlé toute seule, mais en tout cas, il faudra même savoir un peu si vous avez des questions, ou sinon on passe à Adobe Spark. Si vous voulez prendre la parole, il suffit de lever le bras du petit bonhomme qui est à nous dans la barre. Lucia, merci, tout est clair. Alors, on va voir un exemple de Adobe Spark. Non, pardon. C'est ça. Juste un instant, je vais partager l'écran. Encore une fois. Voilà. Et je vous montre la page de la formation d'aujourd'hui. Et vous avez ici, je vois que vous le voyez, hein, le tutoriel pour Adobe Spark. Et voilà deux exemples de Adobe Spark. Vous m'excusez, c'est du matériel qui est fait par moi, mais je l'ai utilisé parce que je vous propose ce que je connais. Alors, c'est une documentation sous forme de page web. Est-ce que vous voyez mon écran encore? Ok, très bien. Alors, je suis entrée dans mon Adobe Spark. Se créer un compte est très simple. On va créer un projet. Hein, je vous montre, avant de créer un projet, je vous montre, par exemple, la vidéo de ce projet. C'est la publicité de Spark, mais c'est gratuit. Juste un instant, voilà.
pardon, parce que ça prend un temps de connexion. Voilà. Alors, ça prend une forme de vidéo. Est-ce que vous entendez? E Twinning è veramente il modo per creare, e per creare non solo rispetto alla propria didattica, ma per creare rispetto all'apprendimento dei propri alunni. È la piattaforma dei gemellaggi virtuali tra le classi, dalla scuola materna in poi, consente di utilizzare didatticamente il digitale, di comunicare in tante lingue, comprese la propria materna, e mettersi in contatto con alunni, insegnanti. E Twinning fa parte di Erasmus+, la durata delle attività. Alors, ce que vous avez vu, c'est pratiquement une sorte de PowerPoint avec une narration audio. Le minutage, 3 minutes 44. Alors, il est très conseillé de faire de la documentation qui ne soit pas trop longue. Ça devient lourd, ça devient difficile de suivre et chaque pilule de documentation doit être efficace. Alors, une idée, une documentation brève, une autre idée, une autre documentation brève. Puis, ce sera à la fin, on pourra, comme on l'a dit, on pourra modifier, on pourra couper, etc. Donc, c'est une narration, un projet vidéo. Sinon, par exemple, ici, puis. Alors, je fais ça pour vous montrer que si vous utilisez ce genre d'outils, vous pouvez l'utiliser en classe et vous pouvez l'utiliser par exemple avec Google Classroom ou avec d'autres plateformes. Ici, nous avons qu'une image commentée, mais on pourrait envisager de présenter une image significative. Et l'idée de l'image taguée, vous l'aurez avec l'autre outil qui est Tinlight. Tinlight propose, j'espère avoir le temps de vous montrer ça parce que vraiment aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Voilà. Et alors, vous imaginez d'avoir le résultat, c'est que vous avez une photo, vous choisissez une photo et vous insérez de manière très simple, en touchant sur la photo que vous avez insérée, des points chauds dans lesquels, par exemple, vous mettez du son, votre voix, la voix d'un collègue que vous avez interviewé, une carte, des photos, un lieu et comme une sorte de carte mentale beaucoup plus simple, beaucoup plus belle et interactive. Ce n'est pas payant, donc si vous l'utilisez, ce sera même assez motivant. On n'a pas le temps de tout faire en ce moment, mais je vous conseille d'explorer. Enfin, dans le T-Space, vous avez dans les documents, dans les fichiers, le fichier qui concerne la formation d'aujourd'hui, formation en ligne, et il y a le carnet de bord que Daniela et Francesca ont préparé.
Sur la base de ce carnet de bord, vous pourrez préparer votre narration multimédia ou bien vous en servir telle quelle, hein. Si vous avez des grosses difficultés, évidemment, on n'oblige pas. On ne vous oblige pas forcément au multimédia, ce sera Daniela qui verra ça. Mais l'important, c'est d'arriver tous et toutes à une documentation similaire. Alors, le carnet de bord tel qu'il a été produit par le staff, le team du projet, prévoit donc le nom et le prénom. Vous le téléchargez. Vous pouvez utiliser le même schéma pour la narration multimédia, hein, parce que dans la narration avec Adobe Spark, vous pouvez reprendre les mêmes critères. Vous allez indiquer si c'est un cours linguistique, le job shadowing, ou c'est rencontre, les dates de mobilité. Ah, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas? Ah, pardon. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, je prends le document depuis mon ordinateur. Attendez, je suis une autre procédure. Voilà. Il faut un temps. C'est très lent. Vous voyez encore mon ordinateur? Non, hein? Voilà. Ah, voilà. Il y a un petit problème de non si bien encore là, je vois. Un instant, ça charge, mais c'est très lent parce que il va le chercher dans le. Études, formation ESABAC. En tout cas, vous l'avez le document. Il est déjà sur dans le TwinSpace. Chacun pourra le voir individuellement. Je n'arrive pas à le charger. Il est peut-être un peu trop lourd. Pardon, je n'arrive pas à vous montrer ça. Attendez. Là, vous l'avez peut-être. Voilà, vous le voyez maintenant? OK. Ah, heureusement. Mais normal. Alors, carnet de bord. Comme je le disais, il faudra dire. Le nom, indiquer le nom de l'établissement d'envoi, le nom de l'établissement qui vous accueille, moi j'ajouterai aussi, l'emploi du temps de la semaine, et il faudra classer le lieu, la personne observée, le type d'activité. C'est ce qu'on a dit déjà, le déroulé avec les étapes clés, les supports. Les supports, vous verrez que si vous avez déjà observé des collègues français, la plupart des salles est mieux équipées que les nôtres. Donc,
Notez ça, c'est important parce que à la fin, on pourra demander à nos établissements d'acheter tel ou tel outil, se rendre compte, par exemple, de ce qui est mieux, de s'il vaut mieux utiliser une tablette interactive ou un TBI. Ça, c'est à voir. Et classer selon le matin, l'après-midi. Et pour les activités documentées, mettre des liens. Mettre des liens si vous avez pris des photos, que vous les avez déjà mis dans le TeamSpace. Mettre des liens, ne pas perdre les choses au fur et à mesure, le soir ou même pendant la journée. Voilà, et résumé, à la fin, vous résumerez votre activité en cochant, en complétant les listes, activités de lecture, de compréhension, d'écoute, de conversation. Et surtout, il faudra que ce soit clair quelles sont les méthodologies que vous avez observées. Sur la base de ce que vous voyez ici, vous pourrez à la fin, même pendant ce jour, à la fin de la séance ou à la fin de l'activité observée, raconter. C'est mon espoir, disons, que vous soyez à mesure de faire cela au fur et à mesure. J'ai coupé la stop avec le partage d'écran. Oui, vous ne voyez plus parce que vous trouvez le document et parce que le document a été déjà décrit en entier, donc il n'y avait plus rien à dire sur le document. Je voudrais vraiment laisser 2-3 minutes pour vous donner la parole éventuellement et savoir si tout a été clair parce que c'est le moment le plus important. Les mobilités sont importantes, donc avant le départ, c'est le moment le plus important pour la documentation. Si vous voulez parler, pourquoi pas? L'idée de raconter, hein, de votre vive voix et de prendre des photos au même moment, je trouve que ce sera très beau, ce sera une belle idée, hein. Ce sera très beau de raconter, de filmer, de documenter de manière visuelle. Daniela, oui? Daniela, je crois que tu peux parler. Voilà. Ah oui, Daniela? voilà. Alors, là, Daniela, tu peux parler? Tu as ton micro. On t'entend? Ok, on t'entend. Si, si. on m'entend. Ça va, vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, vous m'entendez? Alors, juste deux mots à propos du cahier de Daniel, on bord. Hein. t'entend, hein, Et alors, Daniel, tu en réalité, le cahier de bord a été préparé surtout par Francesca. Mais Francesca, ce soir, n'est pas là. En réalité, je pense qu'elle a eu des problèmes pour accéder à l'ordinateur. Mais de toute façon, juste un petit mot à ajouter. Nous, on a proposé ce modèle, mais la semaine prochaine, comme vous savez, nous, on sera les quatre formateurs. Nous serons le premier à faire une activité d'observation. Nous, on sera à Bordeaux. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas essayer nous-mêmes ce modèle. Et puis, on verra comment ce modèle peut marcher selon nous. On partagera nos idées avec Marina et puis on arrivera à un modèle qu'on vous proposera. On pourrait changer quelques aspects et si vous avez vous aussi des idées ou quelque chose à nous signaler, vous pouvez les faire. Vous m'avez entendu? Oui.
Oui, Daniela. Effectivement, oui. Merci, Daniela. Effectivement, c'était ça. J'avais oublié, Daniela, de dire ça. Ce document, c'est un document de départ. Parce que la documentation doit entrer dans l'esprit de tout le monde. Et donc, l'idée de présenter aujourd'hui un document définitif n'était pas dans le projet. Mais nous aurions voulu déjà. Nous avons voulu déjà faire réfléchir chacun de nous sur l'importance de la documentation. Le testing, ce sera la première équipe qui part, qui le fera. N'importe quel document pourra être utilisé pour une narration visuelle. Comme Daniel l'a dit, le document n'est pas définitif, donc pour le moment, je vous conseille de manipuler Adobe Spark parce que dans la narration visuelle, forcément, on devra raconter ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et puis le modèle de départ pourra varier, pourra être un peu modifié sur la base du testing de la part de l'équipe des formateurs, mais l'important ce sera d'être capable d'entrer dans l'idée, dans l'optique de la documentation rationnelle et multimédia. Voilà, l'objectif est celui-là. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que cela est bien passé? Ne vous concentrez pas trop sur le modèle Word, parce que ce qui est vraiment plus important, c'est le principe de la documentation, l'idée de la documentation. Et je suis très, très curieuse de savoir si vous avez déjà réfléchi dans vos établissements ou vous seul ou avec des collègues à la documentation. C'est un peu une idée fixe que j'ai et je trouve que ce serait très important de le faire, même entre nous. Par exemple, je me suis dit plusieurs fois, on n'a jamais trop documenté nos années à bac. Les 10 années à bac de la Toscane. Ce serait très intéressant de faire ça même au niveau de groupe Toscane, parce que chacun de nous a eu ses expériences, chacun de nous est entré à un tel ou un tel moment avec de telles difficultés. Ce serait intéressant d'avoir un compte rendu de ce que nous avons fait. Voilà, parce que l'idée est toujours la même. L'idée, on peut l'appliquer à un projet de classe, à un quadrimestre, à un devoir d'élève, à un projet Erasmus, à un projet Twinning. Et puis, j'arrête parce qu'il est déjà un peu trop tard. L'évaluation du projet Erasmus se fait beaucoup sur la documentation, même la grille d'évaluation des projets Twinning. Quand il n'y a pas de documentation, quand il n'y a pas d'échange, et l'échange est documenté aussi. Donc, l'échange entre collègues est documenté aussi. Si on ne le documente pas, on n'aura pas de points. Voilà. Et alors, très bon travail, un très bon voyage aux collègues du groupe des formateurs qui partent. Très bonne chance. On pensera à vous. Et rien, donc j'espère que tout se fera et que grâce à votre documentation, on pourra même apporter quelque chose à l'ESABAC national. Parce que je m'imagine un travail de ce genre qui n'a jamais été fait dans d'autres régions, un travail qui deviendra comme un puzzle collectif de documents, de réflexions, qui sera réuni dans un document, dans une narration finale. Vous vous imaginez, ça pourrait être intéressant pour d'autres régions et pour le ministère même. C'est un rêve, hein?